Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, le SafeMoon a pris plus de 300 à 400% en quelques jours. Sauf que le SafeMoon, je vais te montrer comment t'en procurer parce que tu ne le trouves pas sur Binance. D'abord là, je suis sur Trust Wallet. Alors Trust Wallet, tu peux le télécharger gratuitement. Si tu veux, je vais te mettre le lien de l'application sous la vidéo et je vais te montrer comment on peut faire ça. Là, pour l'instant, on se retrouve sur Binance. Donc Binance, je pense que tu connais. Si tu ne connais pas, pareil, je te mets un lien et tu vas pouvoir avoir un petit bonus. Donc sur Binance, déjà, il faut t'acheter des BNB. Donc tu t'achètes les BNB, dessus, tu les déposes. Une fois qu'ils sont déposés, tu les sers pour ça, tu fais déposite et donc après, tu attends. Des fois, tu t'inquiètes pas, ça peut prendre un petit peu de temps parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de retraits, dépôts et tout. Donc là, ça peut prendre un petit peu de temps. Ensuite, on va sur Trust Wallet. Trust Wallet, on fait BNB, clique dessus et on fait recevoir. Une fois qu'il y a recevoir, on peut copier. Je leur fais, on copie le QR code. Copie le QR code, on va dans Binance. Et après, là, tu appuies sur Withdraw. Je vais refaire. Je vais dans mes BNB. Tu appuies sur Withdraw. Voilà. Et là, ici, tu tapes l'adresse où tu fais coller l'adresse du QR code. Ici, ça va se marquer BUP2 automatiquement. Ici, tu mets le montant que tu veux en BNB. Tu t'inquiètes pas parce que il faut mettre un petit peu plus parce qu'il y a des frais qui s'appliquent. Et après, suivant. Je le fais pas parce que là, du coup, j'ai plus de BNB. Mais donc après, suivant. Et ensuite, Binance va demander automatiquement la double authentification. Donc là, tu fais. Et donc après, ça met une photo. Ok, c'est parti. C'est là que ça peut prendre quelques temps parce que du coup, ça, faut que ça arrive vers Trust Wallet. Ensuite, donc là, moi, comme là, c'est marqué reçu, reçu. On voit que c'est bien arrivé ici. Une fois que c'est arrivé ici, j'ai mes BNB qui sont arrivés sur Trust Wallet. Mais moi, ce que je veux, c'est des SafeMoon. Pour avoir les SafeMoon, il faut transformer ces BNB en BNB Smart Chain, enfin en Binance Smart Chain. Pour ça, je reclique sur mes BNB, je clique là sur le plus, les trois petits traits, et en bas, il y a Swap to Smart Chain. Hop, ici pareil, donc je mets la valeur que je veux changer et ça va me l'échanger. Donc là, je peux mettre 100%, je peux mettre 75%, et donc après, je fais swap. Ici, pareil, il faut mettre un petit peu moins parce que là, pareil, il va y avoir une taxe. Donc après, swap. On attend un petit moment, et là, après, ils vont apparaître dans la Smart Chain. Ça, bien. Ça, une fois que c'est fait, je vais dans DApps. En bas des apps et ensuite il faut aller dans l'exchange Pancake. Exchange Pancake, là moi ici je suis connecté en haut, mais sinon je me déconnecte. Ici pour toi si t'es pas connecté, tu as juste à cliquer sur Connect, ça va se faire tout seul avec Trust Wallet. Là le principe c'est qu'après là c'est marqué BNB, il y est, et ici il va falloir trouver les SafeMoon ou alors il va falloir trouver. Ce que tu veux, si tu veux du Rizmoon, si tu veux du SafeMars, si tu veux, voilà, toutes les cryptos comme ça qui sont en train de bump. Pour la trouver, pour l'instant, moi là je les ai parce que enfin j'en ai acheté. Sinon il va falloir se rendre sur CoinGecko ou Cryptocurrency. On copie, alors là moi là j'ai pris Rizmoon parce que j'étais dessus. On copie le contrat, le numéro de contrat. Voilà, on appuie à côté de la tête. Je retourne dans Trust Wallet. Je clique sur Select. Et là, je copie le numéro de contrat. Et là, il me le propose. Je le clique. Là, il me le propose. Ici, il va falloir cliquer sur les settings. Et il faut mettre 11 ou 12%. Sinon, ça ne marche pas. Il faut mettre 11. Vous essayez avec 11. Si ça ne marche pas, tu mets 12. Voilà. Et donc là, après, on peut mettre la valeur qu'on veut. Et après, tu fais OK. Et là, ça marche. Moi, j'ai plus de BNB. Là, je peux pas le faire. Et là, c'est toute la manip à faire. Une fois que ça c'est fait,
tu peux aller en haut à droite pour la recherche de jetons. Comme ça, ici, là, tu peux taper SafeMoon. SafeMoon. Tu l'actives. Et comme ça, ils vont apparaître ici. Donc voilà, j'espère que c'est OK pour toi. Comme ça, tu vas trouver comment transférer tes SafeMoon. Tu t'inquiètes pas, ça peut prendre un petit peu de temps. Moi, ça a pris une bonne heure et demie, le temps qu'il se transfère. J'ai cru que j'avais perdu mes jetons. Mais en fait, voilà, c'est le temps que ça se transfère. Il y a beaucoup d'échanges en même temps. Donc c'est pour ça qu'il faut le temps que ça suive. Voilà, j'espère que tu as tout compris. Je te dis à bientôt. N'hésite pas à rejoindre le canal Telegram qui est juste en dessous de la vidéo ou à t'abonner. Je te dis à bientôt. Ciao!